Déjà, dites-nous, quel est le sentiment d'être là à Milan-San Remo en mars? On sait que c'est la grande course qui vous manque dans les monuments. En mars, on croyait que c'était râpé, et puis finalement, on a une deuxième chance. Ouais, voilà, maintenant on est finalement au départ de ce grand monument qui est Milan-San Remo et ça fait plaisir. Et maintenant, là, le parcours a changé, c'est des choses qui comptent. Il y a moins de coureurs aussi par équipe, 6 coureurs suite à la décision de l'organisation. Donc voilà, c'est des éléments qui vont compter demain. Et voilà, personnellement, l'ambition est là, mais c'est difficile à estimer ma confiance et estimer mes chances personnelles de gagner ou même de faire un résultat. Je veux dire, c'est pas simple. On sait que vous êtes très attaché à la légende du cyclisme. Ce changement de parcours et cette course particulière en août, c'est une opportunité unique de remporter une édition vraiment spéciale? Ou alors vous auriez préféré avoir une édition en mars, typique, si je puis dire? Bah, je veux dire, tout le monde aurait voulu que tout ça ne se passe pas. Je pense que dire le contraire serait mentir, mais non, on est dans cette situation et on prend ce qu'il y a à prendre. Mais le fait de déjà avoir l'opportunité de faire Milan-San Remo en 2020, c'est une chance. Donc on est très heureux d'être au départ et d'être en bonne santé aussi. Donc maintenant, c'est une chance. Parlez-nous de la course en elle-même. Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est un parcours qui peut mieux vous convenir, peut-être? Bah, c'est difficile à dire parce qu'on l'a pas, on le connaît pas, on va le découvrir. Il y a quelques coureurs qui ont fait une reconnaissance. Mais voilà, après, c'est toujours les coureurs font la course et je pense qu'il y a, sur le papier, il y a de quoi faire avec cette montée, mais surtout cette descente, nouvelle descente. Je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais. 300 km après quelques jours de compétition seulement. Vous l'avez dit vous-même, vous ne savez pas vraiment si vous pouvez avoir confiance en vous-même, mais c'est pour tout le monde pareil finalement, et c'est vraiment un gros challenge. Ouais, c'est ça. Je veux dire, généralement, quand on arrive aux premières grandes courses, on a déjà fait soit Paris-Nice, soit Milan-San Remo, soit Paris-Nice, soit Tirreno-Adriatico, avec au minimum une étape reine de 220 km ou plus. Donc, et on a eu l'occasion souvent de faire des courses à étapes avant, donc de développer notre forme et notre résistance. Ici, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à rester prudent sur mes chances pour demain. On va parler à parté de Milan-San Remo. On a vu une terrible chute en Pologne. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour améliorer la sécurité des coureurs dans les sprints? Vous-même, vous avez tenté votre chance plusieurs fois au sprint, vous avez gagné des beaux sprints. Vous connaissez ce danger? Ouais, je veux dire, c'est compliqué à répondre à ce genre de choses. Je pense que il y a le fait de fermer la porte à un coureur, c'est toléré, mais il y a la manière de le faire, je pense, et il y a l'endroit. Personnellement, je l'ai fait deux fois cette arrivée, et les coureurs franchissent les 80 km/h. Donc, quand on sait qu'on va mettre quelqu'un dans la barrière volontairement à 80 km/h, on sait qu'on l'expose à un danger énorme. Je veux dire. C'est pas pareil si on le fait au sommet d'un col, par exemple, comme ça s'est déjà vu plusieurs fois. Et même si le coureur tombe à 15-20 km/h, bon, je veux dire, c'est moins grave. Mais ici, à 80 km/h, je veux dire, imaginez-vous rouler en voiture à 80 km/h et sauter de la voiture. Vous verrez le résultat. Je veux dire, on ne peut pas s'en sortir sans mal. Donc, voilà, je pense qu'il y a des circonstances qui aggravent certains gestes. Merci beaucoup, Philippe.